Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, hein, ça sera super sympathique pour moi. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très très important. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur puisqu'on va parler du log et de l'exposition du log. On va voir ensemble déjà qu'est-ce que c'est et puis surtout comment on l'utilise. Donc, on va faire un petit point, on va voir où est le vrai du faux et on va faire des expériences, on va regarder. Mais avant toute chose, il faut savoir ce que c'est que le log. Alors le log, tout le monde aujourd'hui qui utilise des caméras, qu'elles soient pas chères comme des Sony A7 ou des caméras très chères comme Arri, utilise et a dans le ventre du log, ce fameux gamma logarithmique qui permet de pouvoir exploiter la totalité de la latitude du capteur. Voilà, parce qu'on s'est dit, à un moment donné, bon, si on faisait des images qui ne soient pas forcément tout de suite exploitables visuellement, mais qui avaient la particularité d'avoir une meilleure latitude, pour l'étalonnage, ça serait plutôt pratique. Donc on utilise ce gamma à une condition. La condition, c'est que par la suite, il y ait une phase d'étalonnage qui permet justement de pouvoir travailler avec ce gamma. Si par exemple, vous travaillez pour faire du news ou de la vidéo directement publiée rapidement après montage, dans ce cas-là, je vous déconseille d'utiliser le logarithmique parce que forcément, l'image sera flat, pas belle, toute laiteuse, désaturée et forcément, vous serez obligé de passer par une phase d'étalonnage pour pouvoir retrouver une image à peu près correcte. Mais nous, en post-production, quand on fait une fiction, un clip, une pub, ça nous apporte énormément de choses en termes de latitude et de travail. Donc depuis quelques années maintenant, ça y est, toutes les caméras sont équipées d'un log et on exploite donc ce gamma qui nous permet de pouvoir essayer de tirer le meilleur parti de ce que peut nous offrir un capteur en fonction de leur caméra. Alors pour ça, je vais sortir deux caméras, une Alexa et une Red. Et on va regarder justement en particularité comment on expose ces caméras, puisqu'on va les travailler principalement, ce sont des caméras qui seront particulièrement exploitées en log en post-production. Donc ici, nous avons le log-C. Donc cette caméra a la particularité de pouvoir enregistrer en interne en log. C'est-à-dire que sur la carte, on enregistre du log. Et en sortie BNC pour du visuel, monitoring, que ce soit pour l'assistant ou pour le réalisateur, on envoie du REC 709. Voilà, ça c'est la config la plus simple. Ici en RAID, c'est un poil plus complexe, puisque en fait on enregistre en RAW. En RAW qu'on programme par exemple en RAID Gamma 4, qui est un gamma qui est plutôt intéressant en termes de latitude et qui nous offre des contrastes assez généreux pour pouvoir avoir une image tout à fait exploitable. Donc on l'utilise en RAID Gamma 4 et seulement en post-production, on va développer le R3D en règle log film pour pouvoir justement pouvoir exploiter le log. Mais alors voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux caméras et on va voir ça juste maintenant quoi. C'est parti. Pour cette première partie, on va travailler avec l'Alexa. Donc l'Alexa, c'est très simple, hein, c'est caméra Play School, hein, il n'y a rien de plus simple. Deux sorties, une REC 709, une sortie log C. La sortie REC 709, c'est pour avoir un visuel correct, donc pour la réalisation, l'assistant opérateur pour le point, etc., etc. Et la partie log, on va s'en servir principalement pour pouvoir exposer le capteur. Donc ici, j'ai mis un BNC en sortie log que j'ai ramené donc sur un petit Pix E5 avec une petite parade en surimpression RVB. Et donc là, on voit le signal vidéo en parade RVB. Alors, sur un tournage, c'est chiant. C'est vraiment, vraiment, vraiment chiant. C'est ça que j'aime pas chez Alexa. C'est que tu passes ton temps à switcher entre le log et le REC 709 pour pouvoir changer de gamma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as envie d'avoir une image clean, c'est-à-dire sans inscription, sans rien, et en log pour pouvoir la lire correctement sur un oscilloscope, donc il faut une image sortie clean, donc log C, et quand j'ai besoin d'avoir justement le marqueur, les informations viseur et une image correcte, je suis obligé de débrancher et de me mettre sur du REC 709. Voilà. Certains diront que je pourrais le faire dans le menu, mais c'est encore beaucoup plus long. Donc ça, c'est pénible parce que sur les tournages, tu passes ton temps à faire ça parce que j'ai besoin d'avoir à la fois le REC 709 pour pouvoir cadrer et voir aussi les inscriptions, genre les marges, etc. Et j'ai besoin du log pour pouvoir exposer. Donc ça, c'est le truc que j'aime pas trop chez Alexa. C'est-à-dire que voilà, je passe ton temps à dévisser des BNC, remettre, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt casse-couille. Okay. Mais cela dit, quand je suis en log, voilà, quand je suis en log, j'ai une image clean et j'ai ma parade RVB et je peux donc exposer mon log correctement. Alors, on a vu donc le travail de l'exposition du log en Alexa. Donc, vous avez vu, en termes de logistique, c'est très simple. Bon, c'est juste chiant parce qu'il faut débrancher le câble, machin. Voilà, moi, je ne sais pas comment font les autres, mais en tout cas, moi qui travaille énormément avec un oscilloscope,
Pour moi, c'est véritablement casse-couille. Sur la RAID, c'est un poil plus simple. Alors, sur la RAID, il y a juste un bouton à appuyer pour passer d'une image, on va dire RAID Gamma 4, à un pseudo-log qui est le règle de film. Et le tour est joué. L'avantage aussi, c'est qu'on l'a vu sur le travail de l'Alexa, c'est que lorsqu'on se retrouve justement avec une image avec peu de dynamique, donc on aura une tendance à surexposer le log, et forcément quand on surexpose le log, on surexpose naturellement le REC 709 qui est la visu du réalisateur. Et ça c'est très pénible parce que d'un côté, le réalisateur peut se poser des questions, de se dire « je comprends pas pourquoi j'ai une image surex ». Lorsqu'on travaille en montage, on peut aussi se poser la question de se dire « mais pourquoi j'ai une image surex ?» Voilà, donc ça c'est toujours compliqué parce que quand on expose le log, eh ben, il y a une conséquence sur le REC 709. Et quand l'image a une dynamique vraiment très, très étroite, donc on aura une tendance à vraiment surexposer le log et le REC 709 en prend vraiment un coup. Et ça, c'est particulièrement gênant. En revanche, sur la RAID, il y a une petite astuce pour éviter de se retrouver avec ce genre de réflexion sur le tournage. Et justement, on va la voir en même temps que la méthodologie pour exposer le REC log film. Alors, on commence cette première configuration avec du haut contraste. Ici, on a la Mi Max qui est assis sur le tabouret. Voilà, il est éclairé par un Celeps 850 en Boons et uniquement à 50% pour que ce soit très, très, très doux et de faible intensité pour pouvoir être en haut contraste avec ce qui se passe derrière la fenêtre parce que malheureusement, il fait pas très beau. Il fait gris, donc voilà, c'est un peu éteint dehors. Donc voilà, donc là, on a une scène vraiment de haut contraste avec un sujet qui est éclairé de façon très doux. Et l'arrière-plan qui est donc l'extérieur forcément très lumineux. Alors maintenant on regarde ce qui se passe côté oscilloscope. Donc ici là j'ai le retour REC 709. Je vais basculer, donc vous voyez qu'il y a toutes les inscriptions et tout. Je vais basculer en clean, en mode loxé et puis surtout clean hein, pour pas qu'il y ait des inscriptions qui viennent perturber la lecture des instruments de mesure. Et sur le PIX, je peux afficher en WFM là, voilà, en waveform, j'affiche donc une parade RVB. Donc ça c'est mon outil principal qui va me permettre de pouvoir exposer mon log. Si je n'ai pas un outil, que ce soit un histogramme, un oscilloscope ou au moins un zebra à 100%, je ne peux pas travailler le log. Voilà, c'est obligatoirement un outil pour pouvoir travailler. Donc, comment ça se travaille? On est en mode haut contraste, on veut de la matière derrière les fenêtres, donc c'est priorité aux hautes lumières. Donc, vous voyez, les hautes lumières, on les voit ici. On les voit bien ici, hein, on voit la fenêtre. Ici, là, le petit paquet qui est ici, donc c'est la Mi Max. Et donc, plus j'ouvre, plus vous voyez, mon signal va écréter à pratiquement à la hauteur de 100%, va écréter et là, je vais perdre des informations. Donc, je vais redescendre un peu mon gamma, enfin, mon exposition sur le log plutôt. Voilà, je redescends, je laisse, vous voyez, je fais attention, voilà, je laisse juste un petit peu de matière qu'on ne soit pas notamment trop au plafond. Et voilà, là j'ai un log qui est correctement exposé. Donc si j'enlève le WFM, le waveform, donc là j'aperçois une image grise, j'aperçois que j'ai de la matière derrière les fenêtres. Par contre, quand je passe automatiquement ici en REC 709, et ben forcément bah, dehors c'est sur REC, d'accord? Mais voilà, l'importance, c'est pas le REC 709, c'est toujours le log, parce que c'est toujours ce gamma-là qu'on va retrouver en post-production. Alors, deuxième configuration avec la RAID cette fois-ci. Alors, là, je n'ai pas rajouté d'instruments de mesure. On va utiliser les instruments de mesure propres à chez RAID. Donc, ici, il y a une petite particularité, c'est que j'ai paramétré un bouton ici qui permet d'afficher le fameux RAW de la RAID. Alors, petite parenthèse sur le RAW de la RAID, puisqu'on sait très bien qu'un RAW, ce sont des data, donc il n'y a pas de visualisation du RAW. Donc, en fait, le RAW, c'est plus une façon de dire que c'est les paramètres qui permettent d'avoir toute la latitude du capteur. Donc c'est quoi en gros comme gamma? C'est le REC log film, 800 ISO, parce que 800 ISO c'est le meilleur rapport à qualité-prix de sensibilité pour avoir le maximum de latitude et le moins de bruit en termes d'image. Et puis se mettre en lumière du jour parce que les CMOS sont calibrés en lumière du jour. Donc voilà, c'est un peu les paramètres qu'on va retrouver devant la post-production, l'étalonnage, donc le fameux configuration RAW. Mais on ne va pas l'afficher en visu, puisque c'est plutôt gênant comme image. Donc ici, j'ai la possibilité, en appuyant sur un bouton, de paramétrer donc ce fameux RAW avec le RAID Gamma 4, qui est un pseudo REC 709. Ensuite, j'ai paramétré un autre bouton ici, Color False, qui permet donc d'afficher simplement que trois couleurs, parce qu'il y a plusieurs Color False sur RAID. Il y en a avec tout l'arc-en-ciel, mais bon, c'est pas très. Quand on travaille en log, c'est pas forcément très utile. Moi, je prends que trois couleurs, donc
le fameux rouge qui le représentait 100%, le vert qui est une référence du 18% qu'on connaît bien, qui est le fameux gris moyen, et enfin le purple ici qui est donc la version 0%. Donc voilà, donc nous ici on en est dans les conditions de haute dynamique avec du contraste entre l'intérieur et l'extérieur, donc je vais privilégier les hautes lumières. Donc je vais ici me mettre en mode RAW et je vais ouvrir jusqu'à ce que les fenêtres soient cramées, voilà. Tac, je vais peut-être laisser un peu de rouge ici parce que c'est le blanc du ciel, donc j'ai pas de matière à aller chercher. Donc voilà, et ensuite, tac, et voilà, j'ai mon image qui est normalement correctement exposée. Alors, l'avantage ici dans cette configuration de la RED, c'est que en fait, quels que soient les paramètres qu'on utilise, que ce soit par exemple la température de couleur ou même très important la sensibilité, on le verra pour le deuxième cas où c'est plus où il n'y a pas trop de dynamique. Par exemple, si je suis à 250 ASA, et ben quand j'appelle le RAW, et ben automatiquement il va se remettre à 800 ASA parce que c'est le paramètre par défaut que je vais utiliser en post-production. Donc voilà, donc c'est plutôt assez ingénieux parce que c'est pour moi très très rapide. C'est vrai que je pourrais utiliser aussi un oscilloscope en plus si je suis habitué à la parade RVB à l'oscilloscope. C'est peu, mais là, avec le système en plus, l'histogramme qui est ici, voilà, j'ai suffisamment d'outils pour exposer correctement mon image. Alors là, maintenant, on se retrouve dans un autre cas de figure. Ici, on est en extérieur. Alors, j'ai mis spécialement max là avec des hautes lumières un peu partout. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est quand même assez lumineux, mais en fait, c'est peu contrasté, quoi. Quand on regarde son visage et en fait les murs autour, ça montre un rapport de contraste qui est relativement faible. Alors, justement, on va regarder comment on fait ici. Donc, pareil. Là, je me fiche, hop, je me mets en mode RAW, voilà. Donc, je suis donc en règle log film 800 ASA. Et là, je vais commencer à exposer. Donc, vous voyez, soit je me sers d'histogramme, qui est ici, et je peux m'aider du color folch en plus. Donc là, vous voyez, hop, là, je suis donc en mode surexposition de mon log. Je vais diminuer, tac, et je vais me retrouver à peu près ici. Voilà, donc, j'enlève le color folch, tac. Et voilà, et là, je suis en mode, donc, pseudo Rec 709. À chaque fois, ce qui se passe, c'est que quand on se retrouve à faire une exposition en log et qu'on se retrouve dans des conditions de contraste peu élevées, eh ben on se retrouve obligatoirement avec, et normalement, une image ici surexposée. Voilà. Alors, ici, contrairement à l'Alexa qui pose problème parce que forcément on a un retour, sur la réalisation surexposée. Ici, il y a moyen de faire quelque chose, c'est que plutôt que baisser la luminosité donc du moniteur du réalisateur, eh ben on peut tout simplement ici baisser la sensibilité. Voilà, et donc on peut la mettre genre à 320 ISO. Voilà. Et d'un seul coup, l'image est, on va dire, plus acceptable en termes d'exposition. Mais sachant qu'en post-production, on aura de toute manière ce fameux RAW, cette configuration RAW qu'on aura paramétré dans les paramètres de RAW du DaVinci par exemple, et on se retrouvera avec le Reg Log Film correctement exposé, et surtout non pas à 250 ISO, mais à 800 ISO. C'est là que la RED a un avantage par rapport à la configuration Alexa, c'est qu'on a la possibilité que si l'image, l'exposition ne correspond pas à la scène, qu'elle soit par exemple surexposée ou sous-exposée, eh bien on peut paramétrer avec la sensibilité pour avoir un rendu au niveau réalisation correct, sachant que ce paramétra ne servira uniquement que pendant la prise de vue et sera réinitialisé à la post-production. Alors maintenant, on regarde avec la configuration Alexa. Alors, on reprend notre petit instrument de mesure, on se met ici en WFM, donc en parade RVB, j'envoie ici du log et donc forcément, je vais exposer, j'aurai une tendance, vous voyez, là on voit très bien qu'on est en low contraste parce que vous voyez que le signal est très compressé, il y a peu de basse lumière et peu de haute lumière. Donc vous voyez, j'ai une latitude qui est relativement, en termes d'exposition, qui est énorme, d'accord. Sauf que évidemment, j'aurais forcément moins de bruit et peut-être plus de matière dans les basses lumières si je dois récupérer quelque chose, si mon signal est beaucoup plus haut. Donc voilà, donc je vais pouvoir le monter. Là, hop, attention, là j'ai crête, donc je redescends, voilà, je mets un peu de marge. Et voilà, là j'ai un log qui est correctement exposé. Sauf que là, cette fois-ci, si j'envoie ici maintenant le Rec 709 à la réalisation, eh ben je me retrouve avec une image bien surexposée. Et ça, c'est plutôt gênant parce que là, je ne peux rien faire sauf si je décide de pouvoir calibrer des luttes, une fois une lutte en bas contraste,
en low contraste, une lutte en haut contraste, bas contraste, etc. Je paramètre et j'envoie la bonne lutte en fonction des conditions de lumière que j'ai. Donc ça, c'est une solution qui peut être viable. En tout cas, ici, je me retrouve en REC 709 avec une image surexposée. Donc ça veut dire qu'en copie de travail, si je ne fais rien, j'aurai une image surexposée. Ça risque de foutre une panique générale, parce que ça, j'ai connu ça plusieurs fois en post-production en disant oh, attention, les images sont surexposées, etc. Sauf qu'attention, ce n'est que le REC 709 qui est surexposé. Le log, lui, il est parfaitement, correctement exposé. Donc c'est toujours important d'avoir un log plus haut, parce qu'en post-production, quand on redescend les basses lumières, et bah, si le log est bien haut, on aura tendance à redescendre les basses lumières, donc on va forcément atténuer le bruit, et on va peu monter les hautes lumières, donc on va peu amplifier le signal, donc moins de bruit. Donc c'est pour ça qu'un log correctement exposé vous apportera une image clean, sans bruit, sans rien, parfaitement propre. Voilà, mais attention, l'outil principal, ça reste quand même l'oscilloscope. Voilà, voilà les amis, alors pour cette petite conclusion, voilà, pour vous dire que le log, c'est très important, il faut absolument qu'il soit correctement exposé, pour cela il faut avoir des instruments de mesure. C'est vrai que sur RED, eh bien, on a des instruments de mesure qui sont un peu plus complexes, je trouve, que sur l'Alexa. Après, encore une fois, c'est une affaire personnelle parce que chacun expose son log comme il a envie. Hein, donc, ce n'est pas la peine de, voilà, de venir me charger parce que j'ai dit que sur l'Alexa, c'était plus compliqué. Chacun ses méthodes. En tout cas, pour la mienne, c'est un peu plus compliqué de travailler en Alexa qu'en RED. Mais bref, de toute façon, ça ne m'empêche pas de travailler avec Harry ou RED, il n'y a pas de souci, on trouve toujours des solutions. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est l'exposition du log, parce que sinon, en post-prod, c'est une vraie galère. Et si votre log est mal exposé, encore une fois, eh bien, vous aurez du mal à faire, par exemple, une petite patate pour aller chercher des informations dans les basses lumières que vous avez envie de relever, ou etc. Ou de diminuer, par exemple, des informations dans les hautes lumières à travers les fenêtres, etc. Donc, c'est important d'exposer correctement son log. Mais à partir de là, il n'y a pas de règle juste. Il n'y a pas la règle de dire il faut surexposer d'un diaph, il faut surexposer de deux diaphs. Non, tout dépend de la dynamique de votre image que vous avez devant vous. C'est la dynamique qui va vous conduire et qui va vous guider sur l'exposition et le choix de surexposition ou parfois de sous-exposition du log. Donc faites très attention, équipez-vous d'instruments de mesure et à partir de là, n'oubliez pas une chose, c'est que quand le log va... bah tout va. Voilà, allez, abonne-toi, hein, et puis voilà, hein, comme ça. Voilà, comme ça. Allez, salut.